Salut, nous souhaitons bienvenue pour une autre fois encore. En pile fois, nous connaissons un film Hollywood, acteur qui est tellement gros, parfois nous connaissons même penser que c'est vrai corps original. Donc, nous disons ça en façon pour nous comprendre plus bien. Eh bien, ça me fait nous comprendre. Donc, nous voulons nous comprendre. En pile fois, les gens regardent des films, et surtout film Hollywood, en pile acteur, nous connaissons qui gros costaud, c'est pas un vrai corps qui est monté film. Donc, parfois, nous connaissons faire un sport pour qu'on soit capable de muscler, mais il y a un pile là-dedans qui gagne une forme musclée sans qu'il y ait même pas un gym. Eh bien, dans vidéo aujourd'hui, hein, moi vais vous montrer une petite technique que Hollywood lui-même utilise pour permettre qu'on acteur au muscle. En fait, Hollywood utilise une variété technique pour être capable de changer l'apparence acteur. Eh bien, pour être capable de faire ça, il fait ça avec maquillage et ensemble avec perruque qui donc faux cheveux pour mettre dans la tête. En fait, pour acteur, être capable de gagner l'autre apparence, somme qu'a dit, nouveau corps que vous mettez sur acteur, apparemment, vous avez dit, vous avez un costume qui est tellement bien chita sur l'aigle, mais vous même pas j'aime qu'à remarquer ça. Eh bien, c'est les gens qui nous apprennent dans la vidéo. Finalement, je vais vous montrer comment Hollywood fait magie dans le costume. Eh bien, technique qu'on utilise, il est capable de doubler les yeux dans l'air que nous avons filmé. Donc, ces gens qui nous ont regardé là, deux types de caoutchouc de silicone que nous utilisons. Eh bien, premier silicone que nous avons qui a une couleur vert là, là-dedans, il y a une huile qui empêche les plumes qui sont corps acteurs collés là-dedans. Donc, les gens que nous avons mis sur lui, ils ont retiré facilement parce que les gens qui nous disent nous, il y a une huile là-dedans qui permet les plumes de ne pas coller. Et silicone bleu que nous avons utilisé, lui-même n'est pas de l'huile. Eh bien, puisque il y a une huile, bah déjà deuxième silicone bleu ya yo mettez sous ça qui vert yo vin fusionner ensemble après ça yo enveloppé là avec une sorte d'argile après un petit temps li vin sec sur acteur et c'est ça qui permet de décoller le plus facile et tout ça que yo te mettez en bas c'est juste pour être capable prendre forme co acteur et après ces gens que nous cap garder là n'a pas le résultat en fait le boa a tout ce travail avec plusieurs modèles et avec plusieurs concepts d'anatomie humaine donc artiste qui a produit costume yo yo te capable illustrer costume qui a besoin pour film là c'est grâce avec idée réalisateur sur so, ces gens que nous avons regardé là nous avons comment qui a sculpté à Julio pour être capable de rendre musculation puis propre donc il a ajouté veine et au même nettoyé l'ombrique donc dans ce stade ça détail qu'il a ajouté est incroyable et au très important parce que tout ce qui gagne tu peux augmenter dimension yo avec intensité sur so, nous qui prend veine par exemple parce que au même faut que très réaliste parce que si on pas prendre du temps pour bien faire il a sorti là qui a à faire mouvement. Alors, une fois que vous satisfait dans tout petit détail que vous ajoutez, vous pouvez ajouter une couleur sous lui, même couleur ensemble avec quoi acteur qui donc comme un capoté costume. Et bien, c'est tout petit détail ça au okay, Hollywood qu'on a appliqué pour être capable d'ajouter musculation. Donc, ou même qui a vu ce type de vidéos, abonnez à la chaîne sur votre maquillage et commentez, dites-moi ce que vous pensez. Ma blague est partie de vidéos ça vous nous bientôt.